C'est parti. Donc, euh, vous êtes à nouveau sur le plateau du talk-show de, de TV bruit euh, On est donc côté HSF à Mixart Miris Toulouse euh, pour la troisième journée aujourd'hui, euh, samedi. Donc, euh, le festival se, se termine demain. J'accueille à mes côtés, en fait, Emmanuel Ferrand. Donc, euh, bonjour. Bonjour. Je vous laisse un petit peu vous présenter par rapport justement. Euh, enfin, vous, vous êtes là a priori en, principalement au titre de la Générale, qui est une coopérative artistique à Paris, qui du coup euh, bah, est un petit peu, a des similarités artistique. avec. Mixart. Social et politique. Voilà, donc à des similarités avec MixArt Miris, qui est un collectif aussi d'artistes autogérés qui, euh, qui mélange justement différents arts, y compris les arts numériques. Mmh. Et donc euh, vous travaillez également à l'université Sorbonne. Donc une nouvelle université qui s'appelle Sorbonne Université, sachant qu'il y a deux autres universités à Paris qui portent le nom Sorbonne aussi. Donc c'est un exemple très intéressant de la nouvelle gouvernance de, de la recherche scientifique en France. C'est très axé sur la communication et donc mon université qui avant s'appelait Faculté des sciences de Paris, fondée il y a environ 200 ans, euh, reprend le nom de la Sorbonne, euh, fondée en 1250 et des poussières par un théologien, euh, parce que c'est un nom qui a une bonne résonance mondiale et qui permet une meilleure visibilité, peut-être de monter dans les classements, etc. D'accord, voilà, donc, 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 donc là c'est vraiment une un stratégie but, de com'. Exactement. Très bien, donc alors aujourd'hui là, ce qui nous amène... Euh, à se rencontrer. C'est euh, cette euh, conférence qui est proposée à 18h30, si euh, ma mémoire est bonne. 18h. 18h, pardon. Euh, je vais vérifier ça. 18h, du coup, sur les nouveaux OGM. Qu'est-ce que sont que ces nouveaux OGM Donc, c'est un titre général euh, qui est euh, très imparfait. En fait, je souhaite discuter de, des biotechnologies et de leur emprise sur notre, notre vie à venir, à court et moyen terme au sens large. Donc euh, cette euh, notion de modification génétique n'est qu'un des aspects, un aspect important, mais parmi d'autres, euh, c'est à replacer dans un contexte plus général d'agro-industrie, de, 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 de transformation de la nature en outil de production, donc d'extractivisme euh, biologique. biologique, etc. etc. Donc c'est dans ce contexte-là, euh, économique, politique, que je souhaite replacer les évolutions. Euh, voilà, de, disons, de la recherche scientifique au sens large. Je voudrais préciser, donc moi, ma spécialité à l'université, c'est les mathématiques, donc ça peut sembler éloigné de la biologie. Euh, donc, euh, je me suis intéressé à la biologie depuis très longtemps et j'ai un peu étudié ça quand j'étais étudiant. Et ce qui caractérise précisément cette vision techniciste euh, sur le vivant on a, dont on observe le développement euh, très rapide actuellement, c'est précisément une intervention euh, majeure des mathématiques et de l'informatique, du vocabulaire de l'informatique. On dit euh, édition du génome, on a, on a une, une, un fantasme de contrôle euh, d'ingénieur, on parle d'ingénierie du vivant. Euh, ou de biotechnologie, on entend une technologie au sens, par exemple, construire des turbines pour des avions, des choses comme ça. Mmh. Et on imagine voilà, construire des nouvelles plantes, des nouveaux organismes qui, par exemple, pourraient résoudre les problèmes auxquels on est confronté, des règlements climatiques, etc., comme on construirait des machines en assemblant des pièces, en faisant un plan conçu pour aboutir à un but précis. Et je souhaite montrer par des exemples qu'en biologie, on arrive... Peut-être à avoir des buts à court terme, mais qu'ensuite il y a toujours des effets euh, inattendus, ce qui fait vraiment d'ailleurs. Ce qui rend ce domaine vraiment merveilleux, c'est qu'il est complètement incontrôlable, improgrammable. D'accord. Il, il y a donc toujours une, une comment dire, une, une zone d'incertitude, voilà. une zone de, de hasard, qui oui. fait que dans les technologies, à, je dirais à composantes biologiques, oui. euh, il y a cette, euh, cette, cette variabilité. Donc ça, c'est ma position personnelle. C'est, je ne sais pas si elle est réellement, enfin, on peut la contester, en discuter. C'est aussi le but aussi d'ouvrir un débat ici, parce qu'on est dans un milieu donc euh, un peu technophile, Ici, chez les hackers, oui. donc intelligemment technophiles, c'est des gens qui veulent se réapproprier des technologies, ne pas les laisser à des grands groupes qui nous les présenteraient comme des solutions magiques. Donc, c'est pas du tout négatif quand j'utilise ce mot, mais on peut observer une, une, à cause de cette analogie justement entre l'informatique et le biologique une fascination du milieu hacker vers ces nouvelles biotechnologies. Euh, parce que si on ne fait pas très attention, on peut croire que c'est juste une extension naturelle euh, de, des sciences du numérique, une, euh, voilà, la nouvelle frontière de, de l'informatique. C'est oui, un euh, petit peu cette fascination aussi finalement qu'il y a euh, dans le milieu hacker, à travers aussi euh, la culture manga, etc., de tout ce qui est cybernétique finalement Voilà, euh, de la science-fiction, euh, on va dire aussi de la colonisation des planètes. Euh, ce qui est jusqu'à un certain point intéressant, il y a des gens qui construisent des fusées, qui imaginent des stations spatiales, des robots, euh, etc. etc., etc., etc. etc. Ça, ça apporte quelque chose. Après, euh, ce qui se passe, c'est que ça s'inscrit dans un contexte politique et social où il y a... Euh, il y a des. Quand c'est Elon Musk qui parle de conquête spatiale, ça veut dire autre chose. Là, on il y a... est vraiment sur les, les aspects du coût financier. Voilà. Et, et en même temps, avec une, une caution que la finance se donne à travers les experts qui visent vraiment à. à enfin, si je ne me trompe pas, mais à, à, à mettre en avant le fait qu'on aura toujours une solution technologique. quoi. Oui, Alors que et ce que puis, vous voulez dire, c'est que justement, il y a une incertitude qui fait que. Qu'est-ce que ça veut dire solution finalement ben, y a, y a, y a, On peut le constater, disons, euh, euh, dans les années 50-60, on, on a développé des, des, des technologies d'agriculture qui nous ont permis d'avoir à manger. Donc il y a des gens qui disent que maintenant, il y a moins de famine qu'avant et que c'est une preuve que le progrès agronomique est bien réel. Euh, et ça, je pense que d'un certain point de vue, c'est tout à fait incontestable. Mais en même temps, on observe aussi euh, la crise de biodiversité, plein d'effets secondaires qui n'ont essentiellement, des sols. voilà, essentiellement qui, qui n'ont pas été anticipés. Et en tout cas, c'est vraiment le moment d'y réfléchir sérieusement et de ne pas reproduire des erreurs du de même type et euh, d'accepter un peu la complexité du vivant aussi. Donc euh, tout ce qui tend vers une grande homogénéisation, euh, globalisation planétaire, normalisation des semences, etc., en, en réduire le nombre et en les, les normalisant et en les concentrant entre un petit nombre de mains. Euh, voilà, ça, ça me semble c est, c est intuitivement, là. disons là, je ne parle pas en tant que scientifique, je parle en tant que citoyen, ça ouais. me semble... Euh, euh, ça me semble une, une direction défaste. très dangereuse. Voilà. Très dangereuse, exactement. Mais justement, euh, que, comment, comment remettre euh, et qu'est-ce qui, pour vous, dans ces espaces, ces tiers-lieux, enfin, bah, Art Méris, mais la mmh. générale, par exemple, à Paris et plein d'autres ailleurs dans le monde, qu'est-ce qui vous semble être euh, vraiment important dans ces espaces pour, pour faire en sorte que le citoyen euh, se réapproprie justement euh, euh, cette, cette culture et, euh, et, et finalement fasse des choix euh, techniques et scientifiques qui soient partagés justement et qui ne soient pas seulement dans les mains des, des financiers, des experts Eh bien, quelque chose que je ressens quand même pas mal ici, c'est euh, tout simplement considérer la science, euh, déjà même indépendamment de ses applications technologiques, comme une culture, indépendamment des applications, euh, avoir un amour de la science et euh, par exemple la biologie, elle est intéressante intrinsèquement. Il n'y a pas besoin de vouloir donner à manger à tout le monde pour s'intéresser à la biologie. Il y a plein de, de choses merveilleuses, à, on regarde des champignons, des insectes, des trucs. Il y a une source d'émerveillement, ça, ça doit faire partie de la culture. Et donc dans ces espaces-là, il est important de développer cet amour, euh, disons, je ne sais pas, je vais dire humaniste euh, de la science. Euh, comme on développe le théâtre ou le cinéma. La ça curiosité être, voilà, aussi, tout simplement. La culture scientifique fait partie de la culture. Et une fois qu'on a cette culture scientifique, ça donne un peu de recul. Euh, ça permet, par exemple, de comprendre cette complexité euh, du vivant dont je parlais il y a un instant. Si on en a conscience, tout de suite, on est plus prêt à comprendre, justement, que. Uh, un tel qui va brandir un panneau uh, solution, uh, voilà, suivez-moi, j'ai trouvé uh, la voie dans laquelle il fait aller, uh, bah, ça sera moins um, crédible en quelque sorte. On, y, on ira avec plus de, plus de précautions, moins comme des moutons à accepter uh, cette, uh, ce, ce nouvel horizon là, de, de, du nouveau capitalisme, uh, de la convergence numérique, uh, biologique, uh, intelligence artificielle. Euh, voilà, intelligence tout artificielle, tout ce qu'on qu nous vante. Comme étant justement le stade euh, supérieur du capitalisme qui va pouvoir corriger les erreurs de la précédente itération qui, était, euh, qui a créé la pollution. Euh, cette, cette fuite en la, avant. Voilà. Cette, cette fuite en avant et justement oui. à, à quel titre parce que vous, vous, abordez, c juste, enfin, vous aborderez ça dans, dans la conférence, mais euh, le, 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 le monde des hackers est parfois justement utilisé ou instrumentalisé pour oui. pour pour, pour euh, Comment dire euh, Faire un petit peu comme un cheval de Troie de, de certaines technologies, de certaines techniques pour les rendre acceptables. Ça, c'est une question très intéressante. Euh, le, les, les puissances... Euh, donc moi, je ne pense pas qu'il y a un complot qui veuille... Le euh, petit nombre de décideurs qui veuillent euh, asservir la planète avec des OGM. Je ne pense pas qu'il y a ça. Mais il y a quand même... Un, tout se passe comme s'il si y avait des institutions qui voulaient euh, normaliser ou faire accepter des techniques. Euh, pour cela, ils ont à leur disposition un certain nombre de budgets. Euh, euh, qui sont insignifiants à l'échelle des budgets investis dans la recherche et la technologie, mais qui sont quand même conséquents à nos échelles à nous. Et, euh, et, et la question est de savoir comment réagir intelligemment par rapport à ces sollicitations de l'institution. Typiquement, euh, ce que ces gens-là aimeraient bien, c'est que justement le les techniques de manipulation génétique soient popularisées par toutes sortes d'ateliers pour qu'elles soient conçues comme quelque chose d'évident et de classique, ne posant aucun problème. Est-ce je... que ce n'est pas ce qui se passe un petit peu en ce moment à Toulouse avec l'exposition Humain Demain euh, au Quai des Savoirs, eh bien, de, de rendre justement acceptable des choses euh, qui devraient je être, être... Je n'ai malheureusement plus... pas vu cette exposition ouais. et je vais faire en sorte d'y aller. Voilà, comme ça... Là, ça... on est vraiment sur cette euh, perspective hein, de l'augmenter, de mmh. trouver justement des, des, des solutions plus rapidement plus plus efficacement grâce à des à des composantes bah, numériques informatiques qui seraient vraiment euh, implantées pour certaines d'entre elles au niveau du corps humain est-ce que est-ce que ne serait-ce que ça ça pose pas bah, disons que donc, moi ces, ces histoires d'extension on va dire transhumanistes euh, je trouve ça d'une très grande naïveté et je pense que la plupart des scientifiques sérieux trouvent ça très naïf. Et c'est une question, euh, j'aimerais comprendre pourquoi les grandes entreprises comme Google, etc., financent euh, ce genre de, de fantaisie. Euh, oui, de fantaisie au sens anglais du terme, de, je ne sais pas comment on dit. De Essaye de propager au sein du grand public cette, euh, cette vision un peu délirante d'un. Délirante et presque idyllique voilà, hein, puisque c'est vraiment un encore un une fois sans détour réflexion. Donc là, il doit y avoir un agenda quelque part. Euh, en fait, certainement, ils ont quelque chose à nous vendre. Ils veulent peut-être nous vendre cette fascination pour la technologie. Ou peut-être qu'eux-mêmes, ils y croient. Parce qu'en fait, parmi ces milliardaires de la Silicon Valley, il y a quelques fous euh, qui, qui financent quand même des recherches extrêmement étranges. Je pense à Peter Thiel, qui qui un des rares mania de la Silicon Valley qui a soutenu Donald Trump et qui finance à ma connaissance des recherches sur l'influence du sang des jeunes disons quand on se fait des transfusions de sang de jeunes personnes, est-ce que ça a une influence bénéfique sur le vieillissement des vieilles personnes Donc on va dire une version du vampirisme technologique. C'est exactement ça. C'est très étonnant, il me semble que c'est pas une rumeur, je crois que, bon il faudrait vérifier tout ce que je raconte là, mais Peut-être que ces gens, peut-être qui croient eux-mêmes à leur, à leur délire. Je ne sais pas, j'aimerais vraiment comprendre ça. Qu'est-ce qui se passe une autre, Un autre type de fuite en avant. Donc on verra tout ça un petit peu plus en détail justement à 18h ce soir en voilà. salle 1 avec une conférence donc dans le cadre du THSF. Il y a des concepts comme l'agriculture cellulaire ou la désextinction. C'est quoi que ce concept de désextinction C'est euh, une idée, là pour le coup, je trouve extrêmement perverse. De, de vouloir faire revivre des espèces éteintes. il s'agit de questions notoirement difficiles, aussi bien au niveau biochimique de manipulation de l'adn. c'est vraiment les, les promoteurs de ces technologies sont essentiellement des gens de ce milieu, des gens qui sont capables de réparer l'adn. ils vont typiquement prendre de l'adn de néandertal et euh, qu'il n'est donc pas utilisable tel quel, il a été très dégradé, mais ils vont le, en quelque sorte le réparer avec le leur technologie. Revitaliser. Le, voilà. Mais ensuite, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire Après, on tombe dans un autre domaine qui est celui plutôt de la procréation et de la fabrication d'embryons. Ils doivent trouver des mères porteuses pour ça. Déjà, on tombe dans un truc qui n'est pas leur domaine d'expertise et qui pose manifestement un certain nombre de problèmes techniques. Et puis ensuite, faire revivre une espèce, ce n'est pas faire revivre un individu. Une espèce, si elle a disparu, c'est peut-être parce que son écosystème a disparu. Donc là, il y a une illusion euh, Total. totale de se dire qu'on va pouvoir... Euh, donc déjà, ça marche pas d'un point de vue technologique. À l'heure actuelle, il faut vraiment être très clair là-dessus. C'est du rêve. Et, mais même si ça marchait, ça serait pas du tout la dé-extinction. Ça serait un, un tour de force technologique absolument merveilleux. Mais ça ne serait pas du tout euh, la création d'une nouvelle biodiversité euh, capable de pallier celle que l'on détruit à grande vitesse, là, dans ce qu'on appelle la sixième extinction de masse. Oui. Et donc il y a ce danger. De faire croire au grand public, parce que ça fait la une des journaux. C'est très facile de trouver des, des journaux où on voit des mammouths revivifiés avec quelques brins d'ADN. Ça, il y a toute une un imaginaire qui se crée là-dessus, qui je Et trouve. Depuis longtemps que... déjà avec Jurassic Park, hein, si on va ben voir... voilà, mais exactement. Et, mais le, le problème, c'est que maintenant, c'est ce genre de discours est asséné par des scientifiques de grand renom. Mm -hmm et qui eux-mêmes comprennent les limites de leur discours. Ils ont besoin de ce buzz médiatique, certainement pour financer leur recherche, Aussi. trouver des budgets. Mais par contre, je trouve que ça fait des dégâts dans l'imaginaire du grand public qui va prendre ça au premier degré et qui va se dire que finalement, bon, on peut peut-être continuer à détruire notre environnement puisqu'on est capable maintenant d'en créer un nouveau de toute pièce avec les nouvelles biotechnologies. Mais en tout cas, merci beaucoup. On, est donc, euh, enfin, on a rendez-vous à 18h avec vous pour aller plus loin sur ce sujet des nouveaux OGM. Merci Emmanuel Ferrand et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Thank um. you.